citoyenneté, mon gars. Ouais. Oh, t'es. Il ne se gêne pas pour te niquer avec une tour de 1000 tonnes, de 10 000 tonnes. Ta maison, ton petit mètre carré de rien. Ouais. Il te le nique en moins de 1 seconde, mon gars. Ouais, 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 ouais. Les taxes. Yeah. Les taxes. Taxes, oh yeah. Les taxes, les taxes, les taxes qui, pour ces dégâts engendrés par eux, sont payés par les victimes. Ils en mettent plein la gueule, plein l'esprit. Bienvenue à Metro City, la ville où tout est permis pour Metroman, Titan et Megamind. À toi, yeah. Vrai de la citoyenneté, vrai de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Vrai de la citoyenneté, vrai de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Mais le but-il vraiment là? C'est autre chose, bien évidemment. Mais le but est-il vraiment hier? Là, c'est évidemment quelque chose, évidemment. Que... Ouais, ouais, mon gars. Ouais. Ceux qui vivent dans la Tessie de Metro City vivent comme les juifs du ghetto de Varsovie en 1943. Je pense pas que j'ai besoin d'en dire plus. Vrai de la citoyenneté, vrai de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Ouais, ouais, ouais. Vrai de la liberté et de l'égalité, de la citoyenneté et de la liberté. De la fraternité. Mais le font-ils vraiment? Ça, c'est autre chose, bien évidemment, à toi. Yeah. Mais le font-ils vraiment? Là, c'est autre chose, bien évidemment. Yeah. Vrai de la citoyenneté, vrai de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Vrai de la citoyenneté, vrai de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Yeah. Mais le but est de vraiment. Là c'est autre chose, bien évidemment. Et ouais. Et ouais mon gars. 3, 4, ouais. Megaman fait la guerre à Titan et Metroman, Metroman fait... Ouais. Attends, 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 attends. Si je comprends bien. Oh, 3, 4. Ok, si je comprends bien. Megaman fait la guerre à Titan et Metroman. Metroman fait la guerre à Megamind et Titan. Et Titan fait la guerre à Metroman et Megamind. Ces trois-là se gênent pas pour t'envoyer dans une tombe. Par exemple, si Titan veut niquer à tout prix Megamind, il aura peut-être... Il aura beau être à l'origine d'une explosion d'un camion citerne pendant son combat. Tant que Megamind n'est pas mort, il continue malgré 11 morts. 11 morts, mon gars. Et pourtant, les gens les aiment. Et ça, c'est juste parce que les gens sont lavés par la société de surconsommation. Marshall McLuhan, je te tire mon chapeau, frérot. À toi. Yeah. Vrai de la citoyenneté, vrai de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Vrai de la citoyenneté, vrai de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Mais le but est-il vraiment? Là, c'est autre chose, bien évidemment. Yeah. Mais le but est-il vraiment? Là, c'est autre chose, bien évidemment. Ouais. Ouais, mon gars. Ouais, mon gars. Ouais, mon gars. Petit cours de géopolitique. Qu'est-ce qu'un régime autoritaire? Dans un régime autoritaire, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de liberté d'expression, ni de la presse, ni d'association. Il n'y a pas de lavage de cerveau, il y a du lavage de cerveau, de la propagande, plutôt beaucoup même, je dirais. Il y a beaucoup de culte de la personnalité. Il y a une élimination des autres partis politiques. Il y a des camps de concentration. Bref, quand je regarde Metro City, je me dis que c'est l'Allemagne nazie. Vrai de la citoyenneté, vrai de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Vrai de la citoyenneté, vrai de l'égalité et de la liberté et de la fraternité. Mais le font-ils vraiment? Là, c'est autre chose, bien évidemment. Bien. Mais le font-ils vraiment? Là, c'est autre chose, bien évidemment. Ouais. Ouais. Stop! Mais dans le fond, je me dis... Ces trois zigotos ont-ils choisi leur destin? Mais dans le fond, je me dis, ces trois zigotos ont-ils choisi leur destin? Ne sont-ils pas eux aussi pris par cette surconsommation? Ne sont-ils pas pris par cette surconsommation? Ouais, 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 ouais.
Ouais, vrai de la citoyenneté, vrai de l'égalité, de la liberté et de mais dans le fond, je me dis, c'est les zigotos, ont-ils choisi leur destin? Mais dans le fond, je me dis, ces zigotos ont-ils choisi leur destin? Mais dans le fond, je me dis, ces zigotos ont-ils choisi ce destin? Ne sont-ils pas eux aussi pris par la surconsommation? Ne font-ils pas vraiment? Certes. Juste bien évidemment. Mais le font-ils vraiment? Ça, c'est autre chose, bien évidemment. Ouais. Ok, mais dans le fond, je me dis, ces trois zigotos ont-ils choisi leur destin? Ne sont-ils pas eux aussi pris par cette surconsommation? Sion. Ça, c'est autre chose, bien évidemment.